Delphine Bagary pour La République en marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur Libault, merci pour votre apport. En préalable, vous disiez qu'il fallait changer le regard pour réaffirmer la citoyenneté pleine et entière des personnes âgées, comme si nous l'avions perdue, et je m'en suis inquiétée. Ma première question part d'un constat, c'est que les EHPAD, certaines bien structurées, sont à ce jour en périphérie des centres urbains, et qui les éloigne du coup du regard des concitoyens. Et cette absence de visibilité nuit à la place dans la vie de la société et dans la vie de la cité des personnes âgées. Et vous avez à ce sujet fait un certain nombre de propositions. J'aimerais savoir en quoi elles permettront de répondre à ce problème qu'est l'éloignement de ces EHPAD des centres-bourgs. Ma seconde question concerne le développement d'habitats intermédiaires. Parmi vos propositions, vous ne faites pas référence aux APA mutualisés, qui pourrait être un bon compromis, qui permette une solidarité finalement interindividuelle, une colocation en trajet et demeurer justement dans les cœurs de ville. Merci madame.